l'instant, je l'ai partagé qu'avec des gens qui ont travaillé dessus. Et c'est toujours particulier parce que les gens sont investis, ils ont vu le film plusieurs fois comme moi, donc on a pas de recul, on sait plus ce que ça fait de regarder le film pour la première fois. C'est la première fois que je vais le voir en grand, en un seul coup, avec le son, la musique, l'étalonnage. J'ai plus, comment dirais-je, l'œil vierge, entre guillemets, que peut avoir un spectateur, et j'aimerais pouvoir des fois resetter comme ça pour redécouvrir le film. Pour Dominique Rochier, c'est sa grande première. Moi j'en ai eu, j'espère en avoir encore. Je le prends toujours avec la même sincérité, la même humilité. Mais aujourd'hui, c'est surtout lui. Moi, je participe à son projet et je suis heureux d'être là. Je pense que les gens vont vraiment trouver ça vraiment bien, quoi. J'espère en tous les cas. Grégory Hervelin était le premier lauréat en fait des Audi Talents Awards en 2009. Il a été suivi par trois catégories en 2010. Puisqu'on avait créé l'expérimental, l'animation et la fiction. Ce que je vous propose, c'est qu'avant d'accueillir Dominique, on voudrait vous remontrer ces films, que vous puissiez vous imprégner encore un peu plus de ce programme-là. Et je vous propose de commencer tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Bah vas-y, va t'user les pognes à gagner ton steak frites. Pendant ce temps-là, moi, rien qu'avec un doigt, je vais me la couler douce un petit moment. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien calculé mon coût. Eh hey monsieur, bonsoir. Il est à vous le bébé ? 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 On s'est décidé à changer légèrement le programme avec une espèce de sous-titre qui s'appelle « Projet » en se disant « Et si on devenait les coproducteurs ?» Et on est devenu coproducteurs de ce film que vous allez voir pour la première fois, en tout cas normalement. Et je voudrais, pour en parler, inviter à me rejoindre ici Dominique Rochet et Jérôme Latteur. Peur en fait. Non, j'ai pas peur. Tout m'a plu, la musique est formidable, l'image, l'esthétique, c'est hyper bien réalisé, c'est vraiment, je suis très émue, c'était très beau. Je trouve ça vraiment très bien, très émouvant, très visuel. Non, du début jusqu'à la fin, on est vraiment hypnotisé, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film très court où on essaye de faire passer beaucoup d'émotions et de choses dans un laps de temps très court. J'ai bien aimé. C'est poétique et c'est très bien produit, très beau. Quand on voit qu'Audi soutient des projets comme ça, ça fait plaisir, quoi. Et puis on voit des belles choses, quoi. C'est juste mortel, merci. Donc qu'est-ce qu'on fait en ce moment, Morgane ? En ce moment, avec Buffalo, on fait beaucoup de développement de scénarios. Donc il y a des scénarios qui partent dans les tuyaux pour les aides du CNC, des régions, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Emilio Calcagno sur une création, un ballet Podane qui va être monté à Chaillot en octobre 2012. Un film pour Audi avec David. Une petite idée que j'avais tournée il y a quelques temps, une maquette que je lui ai montrée qui est avec des petites voitures. Donc il lui a parlé et je vais le faire avec lui. Et j'écris un court, j'habite à Barcelone. Donc je vais essayer de tourner un film là-bas au printemps. Ça fait du bien de sentir qu'on essaie de faire quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. Où on essaye de créer un vrai truc poétique avec une vraie atmosphère et d'être dirigé par un mec qui est brillant, quoi. Parce que vraiment, moi, Dominique, je le trouve particulièrement doué, quoi. Bah, c'est l'équipe, hein, aussi. Toute l'équipe, l'ambiance, le scénario est intéressant. Sur le tournage, comme ça, quand ça se passe comme ça l'a été, c'est juste, on croise que les doigts que les projets qui s'enchaînent se passent de la même manière.
Le fait d'avoir été soutenu de cette manière, ça m'a permis en effet d'aller au bout du scénario que j'avais écrit et de la manière dont je voulais. J'ai eu aucune contrainte de la part d'Audi, ils m'ont laissé faire absolument ce que je voulais et ils ont respecté mon scénario et ma manière de faire le film. Avec le travail qui a été fait par Dominique et les gens qui ont travaillé avec lui, on est plus que fiers, on a très envie de recommencer, voilà, pour être honnête. Donc moi je vais conclure là-dessus. On remettra évidemment le programme en route l'année prochaine. On annoncera un certain nombre de choses au festival du cours de Clermont-Ferrand. Mais sincèrement, sans avoir un film comme ça, on n'aurait pas forcément eu envie de continuer de la même façon.